Aujourd'hui, nous compliquons la discussion. Ah bon, tu n'imaginais pas ça? Non, mais j'ai connu un habitant à Paris qui avait un souci. Un souci alarmant? Sans plus, mais handicapant. On marchait aux abords du Grand Palais, on a fait du shopping, fort plaisant aussi. Puis on avait soif, donc on a fini dans un bar. Vos consommations? Un shot pour ma part, mais lui n'a fait aucun choix. Aussi charmant soit-il. Pourquoi? J'assistais à la situation, il avait un air obscur, disons angoissant. Il lui manquait un composant dans sa locution. Ah, j'ai compris. Il n'avait pas soif. Mais non, mais pas du tout. L'animal. Il adorait un bouquin, mais j'ai omis son nom. Il a disparu? Mais oui, t'as tout à fait raison. Il n'arrivait pas à s'affranchir car son composant principal a disparu. Il manquait un composant dans sa diction, donc. Il vouait un salut à un individu. Il parlait d'Oulipo aussi. Puis il voulait choisir un soda glacial, mais abandonna son souhait. On finit la complication. C'est la lettre E qu'il ne pouvait pas utiliser. Voilà pourquoi il ne pouvait pas commander. Sans doute qu'il voulait un thé glacé. Il rendait peut-être hommage à Georges Perec et son roman La Disparition dans lequel il n'y a pas la lettre E, exactement comme dans cette vidéo avant cette prise de parole.